Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission consacrée à l'or. Le métal précieux est de plus en plus recherché et ses prix flambent. Alors, pour permettre à un plus grand nombre de pouvoir diversifier ses actifs en investissant dans l'or, CPOR Devise a lancé en fin d'année dernière des lingotins. De quoi s'agit-il Ont-ils remporté le succès escompté Quelle est la tendance à venir Autant de questions auxquelles va tenter de répondre François Lassus, responsable de la communication externe CPOR Devise. François, bonjour. Bonjour. Alors, commençons par un peu de pédagogie. Pourquoi un nouveau véhicule d'investissement sur l'or ben, En fait, le problème était le suivant. Euh, il faut savoir que les investisseurs se sont reportés sur l'or physique depuis le troisième trimestre 2008, au plus fort de la crise économique. Et depuis, l'or n'a pas cessé de continuer à augmenter. Le lingot se trouvait à plus de 30 000 euros. Sur le marché français, entre les pièces d'or et les lingots, il n'y avait rien. Donc nous avons pensé qu'il serait peut-être intéressant de renforcer l'accessibilité au marché de l'or physique d'investissement en lançant une petite gamme de lingotins et nous avons commencé donc à lancer ces produits à partir du 50 grammes, 100, 250 et 500 grammes. Oui, mais pourquoi acheter un lingotin plutôt qu'une pièce frappée bah, Sur le marché de Paris, ce qu'il faut savoir, c'est que l'ensemble des pièces ont une dimension historique. Il se trouve qu'un certain nombre d'acheteurs plus jeunes sont moins intéressés éventuellement par la dimension historique, en particulier du Napoléon, moins intéressés à jouer l'effet prime sur les pièces, mais on pourra revenir sur la notion de prime si vous le souhaitez, et donc sont plutôt in intéressés à se porter sur la barre d'or, qui reflète le mieux le prix de l'or euh, tous les jours, et dans le concept de la barre, nous avons bien entendu le lingot et les lingotins. Alors, justement, ça fait bientôt six mois que vous avez lancé le lingotin, alors c'est l'heure de dresser un premier bilan, est-ce que ça a eu le succès escompté bah, D'abord, ça a eu un très, très fort succès au niveau de la presse. Lorsque nous avons fait notre conférence de presse de lancement au mois de novembre, on a obtenu une couverture presse extrêmement étonnante et remarquable. Ce qui veut dire, quelque part, que les lecteurs et les auditeurs des médias étaient intéressés par ce produit. Mais concrètement, est-ce qu'ils en ont acheté Voilà, en termes de chiffres, c'est la question que vous me posiez, en termes de chiffres, nous avons vendu plus de 4000 lingotins. Alors, on n'avait pas fait, fait véritablement un objectif précis de vente, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a eu un, un effet très intéressant et un boom très intéressant sur ce lingotin qui continue tous les jours à s'acheter, et on le constate tous les jours. En particulier, ce qui est intéressant à noter, c'est que les gens se sont portés en priorité sur les petites unités, c'est-à-dire les 50 et 100 grammes, qui représentent aujourd'hui 60% à 70% de nos ventes. Donc vous dites que ça continue à s'acheter, il n'y a pas eu de déclin en fait après un peu l'euphorie du début pour l'instant, non. On constate qu'on a une continuité d'achat. Alors bien sûr, on a des accélérations qui sont liées aussi à la conjoncture économique parce que lorsqu'on parle de l'or, lorsqu'on parle de la crise, quand on parle du pétrole de nouveau, la crise des déchets, chaque fois, on a des, on a des, des accélérations d'achat sachant que pour autant, il y a toujours des Français qui vendent de l'or puisque le prix a, a augmenté. Donc certains veulent aussi profiter de cette hausse pour pouvoir se faire des liquidités puisque l'or est, est extrêmement liquide à l'achat comme à la vente. Alors justement, comme vous le dites, vous allez me dire si vous n'êtes pas d'accord avec moi, mais le succès des Lagotins est quand même dépendant un peu du côté valeur refuge de l'or. Oui et non. Je dirais oui, parce que c'est évident qu'on a des effets, si vous voulez, de conjoncture qui jouent. Mais en même temps, il ne faut pas oublier que l'or est à la hausse depuis plus de 10 ans maintenant. Il a pris 400 en 10 ans qu'en deux ans, il a augmenté de 60%, et que la dimension physique de l'or est revenue dans le radar des investisseurs depuis la crise de 2008, puisque un certain nombre d'investisseurs se reportent sur des actifs extrêmement tangibles et sans risque de contrepartie, et particulièrement liquides. Et l'or physique, pièce et lingot, à tout moment, même si on le fait conserver par sa banque, peut être disponible et peut-être livré. Donc on a une tendance de fond, je pense, qui dure. Et puis, concernant le prix de l'or, puisque c'est la question que vous posiez, les fondamentaux même du marché de l'or sont plutôt en faveur d'une poursuite de la tendance haussière de l'or puisque l'offre Reste contrainte alors que la demande est soutenue à la fois en bijouterie dans les pays d'Asie de, de, et de l'Inde et, et de la Chine en particulier, et la demande d'investissement reste extrêmement forte. Oui, mais enfin, est-ce qu'on ne peut pas tout de même se dire que le jour où il va y avoir une réelle reprise conjoncturelle, où ça va un peu se calmer même sur les marchés actions, est-ce que les prix de l'or ne vont pas au moins stagner, si ce n'est reculer Et à ce moment-là, est-ce que ce sera un peu plus difficile d'échanger les lingotins, de les revendre, de trouver une contrepartie acheteuse en face non, parce que euh, d'abord, les gens qui investissent sur l'or, et en particulier sur le physique pièce et lingot, ont une attitude d'investisseur de bon père de famille. Ils le gardent sur du moyen-long terme. Et l'or, on le sait très bien, depuis l'éternité, conserve sa valeur en termes réels sur le long terme par rapport aux monnaies. Donc, si vous voulez faire une opération de spéculation là-dessus, bien, bien entendu, vous prenez vos risques. Mais dans l'ensemble, on constate que les gens qui se portent sur les pièces et lingots le gardent parce que ça joue rôle de, sé... de diversificateur de portefeuille et permet donc d'assurer une partie de son portefeuille en gardant de l'or. Donc, alors, c'est vrai qu'on n'est jamais à l'abri de corrections passagères, mais si on regarde bien les éléments aujourd'hui, à la fois, comme je vous disais tout à les fondamentaux du marché, l'offre et la demande, et les anticipations qu'on peut faire sur les risques de dette souveraine, sur les dépressions monétaires, les anticipations inflationnistes aussi aujourd'hui portent elles-mêmes euh, finalement un soutien fort au prix de l'or. François, merci pour cet éclairage. C'est moi qui vous remercie beaucoup de m'avoir interviewé. Quant à vous, je vous remercie de nous avoir suivis et à très bientôt.